Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir une tenue modée violette. Donc pour commencer, il va falloir se rendre au casino. Une fois dans le casino, on va se rendre aux vêtements. Juste avant que ça commence, je vous conseille d'avoir le joker violet. Dans la description, il y aura une vidéo pour vous dire comment avoir le joker violet et orange. Une fois dans les vêtements, on va aller dans les hauts. On va aller dans le sweat à capuche et on va prendre le même sweat que moi. Donc voilà, c'est celui-là. Ensuite, on va aller dans les bas et on va dans les chaussures. Et on va prendre les mêmes chaussures que moi, donc les chaussures running, en violet et en blanche. Après, on va aller dans les accessoires et on va aller dans les chapeaux. Et on prend la même casquette que moi. Une fois qu'on a pris la même casquette que moi, on va se rendre à un magasin pour avoir les gants. Une fois arrivé à un magasin de masques, on va aller se rendre dans les accessoires et dans les gants. Quand on est dans les accessoires, on va aller dans les gants. Et là, vous allez mettre des gants blanches. Donc vous mettez celles que vous voulez. Donc peu importe les gants, mais il faut qu'elles soient blanches. Une fois que vous avez choisi vos gants, moi je vais prendre celles-là parce qu'elles vont bien avec la tenue. Vous allez faire pareil tactile, style. Et vous allez monter la capuche, enfin mettre la capuche. Et ensuite, vous allez enregistrer la tenue. Donc, moi, je vous conseille le dernier emplacement. Une fois que vous avez sauvegardé la tenue, on va se rendre à une longue vue. Une fois arrivé à la longue vue, vous allez faire pavé tactile, style, accessoire. Et vous allez mettre le masque que vous avez choisi. Moi, je vais prendre donc, le masque que vous allez voir. Parce qu'il est blanc et il va bien avec la tenue. Une fois que vous avez choisi votre masque, vous allez faire le glitch de la longue vue. Et ensuite, vous allez mettre la tenue que vous avez enregistré, mais faites attention parce que certains masques ça ne ça passe pas. Donc moi ça passe, donc voilà. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, vous allez devoir vous rendre au magasin de masques à pied pour pouvoir sauvegarder la tenue, sinon ça va vous enlever la capuche. Une fois que vous êtes rendu au magasin de masques, vous allez dans les masques et vous allez sauvegarder la tenue. Ensuite, vous allez retourner à la longue vue pour mettre des lunettes. Une fois arrivé à la longue vue, on va encore une fois se bugger comme tout à l'heure. Donc on se bug. Ensuite, une fois qu'on est bugué, on va faire palette tactile, style, accessoire, et on va mettre des lunettes. Donc vous mettez celles que vous voulez. Moi, pour ma part, je vais mettre celle-là. Ensuite, une fois qu'on les a mis, on part de la longue vue. Et normalement, ça va donner ça. Pour les sauvegarder, il va falloir encore y aller à pied. Sinon, ça va vous enlever votre capuche. Quand on est arrivé au magasin de masques, on va retourner dans les masques pour sauvegarder la tenue. Donc au même endroit. Et ensuite, soit vous allez commander un véhicule volant, soit vous allez aller à l'amunition pour acheter un parachute. Une fois qu'on est arrivé à l'amination, on va aller dans les parachutes, on va aller dans les sacs à harnais, et on va prendre comme moi, donc on va prendre le parachute Israël. C'est très important de prendre celui-là, sinon avec les autres, il me semble que ça ne marchera pas. Donc une fois qu'on l'a, on l'achète. Ensuite, on va faire palette tactile, parachute, et on va le mettre sur notre tenue. Ensuite, on va aller sauvegarder la tenue. Donc là, soit vous avez une activité avec le sac violet ou noir, ou sinon vous allez dans la description et il y aura une activité téléchargeable pour avoir le sac. Une fois qu'on a récupéré notre sac, on va prendre une oppressor ou n'importe quoi pour aller dans les airs. Du coup, ce qu'il va falloir faire, même si je pense que vous savez, va falloir qu'on saute de la oppressor, qu'on fasse pareil tactile, style, et qu'on mette la tenue. Comme ça, au moins, on aura la capuche. Et ensuite, il va falloir qu'on s'écrase devant le magasin de masques, voire limite sur les masques, et qu'on spamme flèche de droite. Donc alors, je vais sauter. Ensuite, on va appuyer sur X le plus rapidement possible. On va faire palette tactile, style, et on va mettre la tenue. Donc sur cette séquence-là, je me suis loupé. Donc je vais quand même vous expliquer. Donc là, essayez d'ajuster au maximum pour atterrir devant les masques. Donc là, bon, je me suis loupé, mais le but, c'est vraiment d'arriver là où je suis là. Et ensuite, on spamme flèche de droite. Donc là, c'est la séquence où j'ai réussi à sauvegarder le sac. Donc comme tout à l'heure, on saute, on spam flèche de X, on active parachute, style, et on met la tenue. Donc regardez bien, c'est vraiment au moment où vous tapez par terre que là faut spammer. Donc là on spam. Dès qu'on a atterri, on spam, on spam, on spam. Et si ça a marché, ça va faire ça. Donc ensuite vous n'avez plus qu'à sauvegarder votre tenue à l'endroit que vous voulez. Et ensuite vous quittez, vous faites pareil tactile, style, et vous mettez votre tenue. Donc ça va donner ça si vous avez réussi.
Donc voilà, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si la tenue vous plaît et nous on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo.